Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes façons de répondre aux messages laissés sur notre page Facebook. Donc, on va simuler un message. Donc là, je vais me connecter avec un autre navigateur où je suis connecté avec un autre compte. Et je vais, d'abord, je vais liker ma page. Là, je suis connecté en tant que Jean-Luc Do. Jean-Luc Do avec un H. Ensuite, j'ai la possibilité de laisser un message. Donc, je vais cliquer sur envoyer un message. Et lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité d'écrire bonjour. Et je vais laisser un message. Bon, là, lorsque je clique bonjour, vous voyez qu'ils ont écrit bonjour Jean-Luc, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Là, je vais poser ma question. J'ai besoin d'une formation. Et maintenant, je vais aller sur Meta Business Suite pour répondre. Bon, là, je vais venir sur message. Soit je peux venir ici directement pour voir que j'ai une notification. Vous voyez que là, j'ai une notification. Je vais aller directement dans le business suite et vous voyez que on a le message bonjour, j'ai besoin d'une formation. Et là, je vais reprendre d'abord par bonjour monsieur. Et je vais lui poser la question, quelle formation voulez-vous? Quel type de formation voulez-vous? Et vous voyez que voici ce qu'il va recevoir. Bonjour monsieur, quel type de formation voulez-vous? Et je vais répondre, bon, je veux une formation en ligne. Et lorsque je retourne là-bas, c'est marqué je veux une formation en ligne. Et puis je vais répondre sur quel sujet. Là, il a répondu sur quel sujet. Donc je vais répondre sur Laravel. Ensuite, bon, là il a répondu sur Laravel, je lui ai dit ok, merci, et je réponds la formation en Laravel vous coûtera $79. Bon, là c'est juste un exemple, et je vais répondre ok, ça marche. Donc déjà, vous savez maintenant comment répondre aux différents messages en utilisant le Meta Business Suite. Donc vous pouvez répondre et une fois que ça marche, supposons que vous avez fini de conclure le marché, vous devez toujours fermer la discussion en cliquant ici. Vous cliquez ici, ça va envoyer ça dans terminer. Et là, il n'y a aucune discussion.